Alors, la prochaine conférence, c'est Damien qui l'anime. Alors, Damien, il a un petit pseudo que beaucoup de personnes dans la communauté hacker connaissent, c'est Virtual Labs. Tu fais beaucoup de choses en plus dans cette communauté-là, parce que je sais que dans la NDH, tu es quand même assez présent en NDH. Enfin, moi, je t'y vois chaque année avec un beau t-shirt de bénévole. Il y a 2 ans, je t'ai vu faire des fusées avec des enfants. Ouais. Et donc, au-delà de ça, toi, tu travailles chez Digital Security aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, tu as monté ton propre framework Bluetooth. Et j'ai pas mal d'anecdotes, notamment une histoire de sex toys connectés repérés dans un train. Si jamais. Ouais, on abordera ce sujet. Ouais. Mais oui. Enfin voilà, donc je te laisse présenter, oui. Mesdames et messieurs, Damien Coquille, faites du bruit s'il vous plaît. Merci, Damien, quand tu veux. Bon, on va y aller. Juste une question comme ça. Bon, c'est bon, on peut démarrer. Désolé pour le retard, j'ai quelques soucis de config sur les démos live. Alors, on va essayer de les faire, hein, sincèrement. J'ai eu quelques petits soucis sur le matériel. Je crois qu'il y a un des équipements qui a dû se décharger parce qu'il était resté allumé dans mon sac. La faute me revient. Mais bon, on va au moins voir la théorie. Dans le pire des cas, j'ai des vidéos. Malheureusement, ça sera un peu moins interactif si on veut. Mais ça permettra de démontrer au moins ce que j'ai fait. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, même si Clément l'a rappelé, donc je m'appelle Damien Coquille, donc je suis actuellement chercheur en sécurité au CERTUBIC. Je suis aussi, par ailleurs, responsable de la R&D. Donc CERTUBIC, c'est un CERT spécialisé IoT qui est au sein de Digital Security, une société satellite du groupe Econocom. Et ça fait depuis 2014 que je suis en train de chercher des choses sur Bluetooth, et notamment Bluetooth Smart, aussi appelé Bluetooth Low Energy. Alors je vais jongler entre les deux appellations durant la présentation, mais c'est la même chose, hein, Bluetooth Smart, Bluetooth Low Energy. C'est exactement le même protocole qui est derrière. De quoi va-t-on parler ? Eh bien, on va parler de BLE ou Bluetooth Smart. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'est le Bluetooth Smart, dans quoi c'est utilisé, comment ça fonctionne, les quelques caractéristiques radio, etc. On va ensuite aborder la partie sniffing, qui est très chère aux chercheurs en sécurité, mais aussi aux attaquants. On verra pourquoi le sniffing est presque un échec. Petite mention spéciale pour Nicolas Ruff. On parlera ensuite des attaques Man in the Middle et pourquoi on en est arrivé là, sur la partie BLE. Et puis je présenterai, pour terminer, le framework, ainsi qu'un des démos live, si les dieux de la démo sont avec moi. Sinon, ce sera des vidéos, malheureusement. Le B.A.B.A. du BLE. Donc, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce que l'on va voir au niveau du framework et des attaques Man in the Middle, c'est que ce protocole Bluetooth Low Energy, donc BLE, est très très présent et il va être de plus en plus présent dans la vie de tous les jours. Vous trouvez ce protocole en fait utilisé dans les équipements médicaux, par exemple, tels que il y a des trucs qui sont restés en anglais là, c'est pas bien. Tels que les équipements des implants cochléaires, par exemple, les pompes à insuline, on retrouve ça aussi dans des équipements de monitoring, hein, tout simplement, de fréquences cardiaques. Vous avez peut-être vu des Fitbit. Certains d'entre vous en ont, hein, j'en ai détecté 2-3 en passant. Donc on a aussi des bracelets connectés, des montres connectées, des alarmes connectées, enfin tout ce qui est tout ce qu'on retrouve. Donc, dans les systèmes de contrôle d'accès, on retrouvera notamment les bracelets, on trouvera des cadenas. J'en ai ramené un, hein, pour l'occasion. Donc celui-là fait l'objet d'une démo normalement. On a aussi tout l'aspect dématérialisation des clés, donc avec des serrures connectées, des centrales, des boîtes de serrures aussi qu'on trouve connectées. Et puis bien sûr, comme on a parlé Clément, il y a tout l'industrie du sextoy qui s'est embarquée dans cette folie Bluetooth Low Energy. Pourquoi ? Parce que c'est présent dans quasiment tous les smartphones. C'est ce qui justifie, hein, pour la grande majorité des industriels, le fait qu'ils utilisent et qu'ils mettent en place des communications via le Bluetooth Smart ou Bluetooth Low Energy. Et en particulier, des fabricants de sextoys, donc je ne citerai pas de marque, hein, mais il y en a quand même pas mal. Bien sûr, sextoys qui ne sont pas forcément toujours sécurisés. Et ça pose d'autres problèmes, hein, ces sextoys. Par rapport à ce protocole, on en abordera le sujet un peu plus tard. Le BLE, donc ce protocole Bluetooth Energy, ça fait partie de la norme Bluetooth 4. Ah, ça tronque un petit peu. Donc 4.0, hein, les normes supérieures. Donc on a la version 5 de la norme Bluetooth qui est sortie très récemment. Et pourquoi on a fait un protocole qui s'appelle Bluetooth Low Energy ? Parce qu'on s'est rendu compte que le Bluetooth standard, qui maintenant s'appelle Bluetooth classique, est assez gourmand en énergie. C'est-à-dire que dès qu'on est amené à mettre des objets connectés qui ont des batteries, qui ont assez peu d'énergie sur du Bluetooth, ça siphonne la batterie, on a un équipement qui a une durée de vie en fait très très faible.
Et ils ont donc le SIG, un groupe de travail qui a défini les spécifications Bluetooth, a donc fait un genre de fork du protocole Bluetooth pour en fait enlever toutes les parties qui étaient vraiment gourmandes. Et donc on est sur une stack qui est un petit peu différente de la stack Bluetooth, même s'il y a des éléments qui sont en commun, mais généralement ça a été épuré de manière simplifiée, ça a été épuré de tout ce qui était gourmand, consommateur, de manière à pouvoir être utilisé avec des smartphones, avec d'autres équipements, tout en consommant un minimum d'énergie. Donc c'est plus léger, c'est donc très utilisé dans les équipements connectés. Donc si vous avez des bracelets Fitbit, des trackers tels que des Gablist, bon, il y en a plein, des équipements connectés qui communiquent en BLE. Même des casques audio qui ont une interface BLE, même s'ils n'utilisent pas ce protocole pour transmettre des données audio, ils sont toujours présents. D'un point de vue radiofréquence, donc là on parle vraiment des ondes qui sont utilisées pour transmettre des informations via le protocole BLE, on utilise la même plage de fréquence que le Bluetooth et les systèmes Wi-Fi, donc la plage des 2,4 GHz à 2,48 GHz. Bon, c'est un peu grossier, hein, c'est un peu plus précis au niveau des MHz, mais passons. Et cette bande, elle est découpée en 40 canaux de 2 MHz. Donc vous allez voir un peu plus tard, on a un beau diagramme avec ce découpage en bande. Mais ça veut dire en fait que le premier canal c'est de 2,4 GHz à 2,42 GHz, deuxième de 2,42 GHz à 2,44 GHz, et ainsi de suite. J'ai dit bêtises en plus, personne ne me reprend. 2,4 GHz à 2,402 GHz et 2,402 GHz à 2,404 GHz. Oui. Problème d'échelle. Donc dans ces 40 canaux, on a 3 canaux d'annonce qui sont répartis sur la bande de fréquence, mais ils sont vraiment répartis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous groupés, ils sont vraiment à l'opposé de la bande, pour des raisons qu'on évoquera plus tard. Et le protocole Bluetooth Low Energy utilise du saut de fréquence, on appelle ça habituellement le Frequency Hopping Spread Spectrum, c'est-à-dire de la répartition de spectre avec saut de fréquence, ce qui permet notamment d'éviter les interférences et d'assurer une efficacité, en quelque sorte, pour les communications qui se basent sur ce système-là. Au niveau protocole, donc si on regarde un petit peu les couches qui composent le protocole BLE, donc on retrouve en couche base la couche physique, ensuite une couche de liaison qui est relativement standard, et celles qui vont m'intéresser, ce sont bien sûr des couches un peu supérieures, à savoir le protocole L2CAP, les protocoles GAT, HAT, et puis aussi le GAP qui fait partie de tout ça, je vais en détailler un peu après ces différents éléments, et le profil. Et pour finir, bien sûr, par la partie applicative qui nous intéresse ici. Donc la couche logicielle a défini deux rôles, le rôle master et le rôle slave. On est sur une communication qui est initiée par ce qu'ils appellent un initiateur, qui ici est forcément master, et on a donc un équipement sur lequel on va se connecter qui va avoir un rôle slave. Les masters peuvent gérer plusieurs connexions Bluetooth simultanées, Bluetooth smart, hein, alors que les esclaves, les slaves, ne supportent généralement qu'une seule connexion avec un master. C'est important pour la suite parce qu'on abuse de cette caractéristique dans la partie man the middle. Au niveau de la couche de contrôle de la liaison, on a le protocole L2CAP qui assure le transport de données. Il assure aussi le transport de données en Bluetooth classique, donc c'est un protocole qui est en fait transverse au niveau des Bluetooth Smart et Bluetooth classique. Et par contre, les fonctionnalités de retransmission et de contrôle de flux ne sont pas implémentées ou ne sont pas utilisées en Bluetooth Smart pour des questions de consommation. Ça évite notamment de perdre du temps à retransmettre les paquets. Si jamais il y a un problème en Bluetooth Smart, on se reconnecte, point barre, il n'y a pas de contrôle de flux à proprement parler. On retrouve aussi les protocoles des couches supérieures, donc le protocole ATT, l'attribut de protocole, qui fournit ce qu'on appelle des services et des caractéristiques, et aussi le profil, le generic attribut de profil, qui au travers de ces services fournit notamment 4 rôles, dont 2 qui nous intéressent, le rôle de central et le rôle de périphérique. Alors c'est vraiment de la terminologie propre à Bluetooth. Hein. C'est typiquement un périphérique qui a le rôle central. C'est un périphérique qui va se connecter à d'autres périphériques, qui aura le rôle master au niveau de la couche de liaison, si vous vous rappelez bien. Donc, le périphérique qui a un rôle périphérique, c'est donc un périphérique qui va fournir des informations et lequel on va pouvoir interagir, qui sera un slave. Le protocole ATT, donc le protocole attribute ici, fournit des services et des caractéristiques. Alors c'est écrit en anglais hein, sur le slide parce que c'est vraiment des caractéristiques au sens anglais. Ces services et caractéristiques sont référencés par un UID de 16 ou 128 bits et elles sont normalisées, standardisées. Généralement les UID de 16 bits utilisés dans la caractéristique ou dans les services, c'est des choses qui sont connues. Je m'explique. Dans la norme Bluetooth, donc à partir de la version 4.0, il y a des services standards et des caractéristiques. Les deux ensemble, hein, donc un service fournit une ou plusieurs caractéristiques, si vous n'avez pas saisi
la chose. Et donc, quand je veux, par exemple, créer un équipement qui va mesurer mon rythme cardiaque, et que je veux que cet équipement puisse communiquer avec d'autres applications, et que s'il y a une application mobile qui est compatible avec tous les systèmes de mesure de rythme cardiaque, eh bien, je vais exposer un ensemble de services qui sont standardisés avec des caractéristiques qui vont fournir, par exemple, le rythme cardiaque ou des statistiques sur le rythme cardiaque selon la norme et le profil qui est défini. Et tous les systèmes de mesure de rythme cardiaque vont avoir ces caractéristiques et ces services. C'est-à-dire que n'importe quelle application pourra être interopérable avec l'ensemble des équipements. C'était fait pour ça à la base. Bon, beaucoup de constructeurs ne suivent pas ces règles-là et implémentent leurs propres services et caractéristiques, on va voir par la suite. Sur ces caractéristiques, en fait, ce sont un moyen de communiquer de l'information. On peut faire une écriture dans une caractéristique, c'est-à-dire écrire une certaine quantité d'informations, et on peut aussi en lire. De cette manière, la plupart des applications permettent de créer un canal de communication bidirectionnel. On écrit dans une caractéristique et on lit dans une autre caractéristique, par exemple, pour récupérer l'information. C'est quelque chose qui est purement asynchrone, c'est pour ça aussi qu'on a le système de notification. C'est-à-dire que je peux demander, moi, avec mon application, d'être notifié lorsqu'il y a des données à lire qui sont disponibles dans telle ou telle caractéristique. Et mon application va recevoir une notification via le protocole Bluetooth et je vais pouvoir aller récupérer la donnée. De cette manière, on a donc une couche de transport qui est mise en place, qui permet de faire de la communication bidirectionnelle, sans contrôle de flux, sans checksum. Enfin, il y a tout à faire au-dessus, en fait, du protocole Bluetooth Smart. Et c'est là où il y a tous les problèmes, en fait. C'est qu'on demande aux gens de réimplémenter TCP/IP over Bluetooth. C'est pas évident. Malgré tout, le protocole Bluetooth Smart a des éléments de sécurité, donc des fonctions de sécurité qui sont implémentées via ce qu'on appelle le Security Manager Protocol. Je vais aller assez rapidement dessus. Donc, qui assure l'authentification, l'autorisation, l'intégrité et la confidentialité via du chiffrement. Ce mécanisme, il est assez complexe. En fait, quand vous avez un smartphone et un équipement, vous pouvez appairer vos équipements de manière à ce qu'ils puissent communiquer de manière sécurisée. Comment ça marche? Eh bien, chaque équipement dit « Moi, j'ai un clavier et un écran. Toi, t'as quoi? Moi, j'ai un clavier et un écran. » Bon, bah, ça veut dire que toi, étant tu as le rôle d'esclave, tu peux afficher un code à l'utilisateur et moi, j'ai un clavier. Je peux amener l'utilisateur à entrer ce code que tu auras affiché sur mon clavier. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc, pas mal d'équipements font ça. Typiquement, un code qui s'affiche, il faut le saisir dans le smartphone. À partir de ce code qui va être saisi, on va dériver des clés de chiffrement et on va stocker de manière sur le long terme en fait une clé de chiffrement ainsi que des informations d'identité qui vont être utilisées à la fois par l'équipement et par le smartphone pour sécuriser l'ensemble des connexions. Donc vous vous appairez une fois et l'ensemble des communications sont chiffrées par la suite avec une clé qui est suffisamment longue et un algorithme de chiffrement qui est très difficilement cassable ici, il s'agit notamment d'AES. Donc on a les mécanismes de sécurité. Le problème, c'est qu'il y a assez peu de périphériques ou d'équipements qui ont un clavier ou un écran. Et donc, il y a un mode par défaut qui est le mode Just Works, donc il faut juste que ça fonctionne, qui a un pin code qui est de 6-0, hein, tout simplement. Ils ne sont pas cassés la tête. Et dans ce mode Just Works, il y a effectivement un échange de clés qui est effectué, mais on peut décoder cet échange de clés. Donc, si on peut sniffer l'échange, on peut casser la sécurité si on peut sniffer le moment où on appaire le smartphone avec l'équipement, par exemple. Bon, il y a peut-être pas mal de gens qui ont fait des recherches dessus. Si vous cherchez sur Google avec les termes crack et le, par exemple, notamment Mike Ryan qui a fait beaucoup de travaux dessus, et puis à la DEFCON. Bon, il y a des attaques qui existent sur ces systèmes de chiffrement. Vous allez voir que c'est pas vraiment un problème au final avec des systèmes de man-in-the-middle. Comment se crée une connexion BLE avec tout ça? Donc, c'est assez simple sur le papier. L'équipement sur lequel vous allez vous connecter s'annonce, donc il envoie des données, il broadcast des données sur les canaux d'annonce, donc sur un des trois canaux d'annonce. Il s'annonce, il dit « Coucou, je suis l'équipement, robot numéro 1, j'ai telle caractéristique et je suis fait par tel fabricant. » Enfin, il envoie tout un ensemble d'informations relatives à ces caractéristiques. Le central, donc l'équipement qui va essayer de s'y connecter, votre smartphone par exemple, reçoit l'annonce et envoie une demande de connexion qui s'appelle ConnectGrec, qui est reçue par le périphérique. Et dans cette demande de connexion, il y a plein de paramètres qui permettent notamment de configurer le saut de fréquence. Donc à partir du moment où l'équipement reçoit le ConnectGrec, le smartphone et l'équipement savent comment sauter de fréquence en fréquence. En fait, il y a un incrément qui est décidé. Ils savent exactement le timing aussi. Pour sauter de fréquence en fréquence, et tous les deux, ils sautent allègrement ensemble, d'un canal à un autre, ce qui fait que intercepter une communication est très difficile si on n'a pas ces informations-là. Si on n'a pas les informations de la séquence et de comment ça saute de canal en canal, même pour être précis, on ne peut pas suivre une communication.
Donc c'est, ça va rendre ici notamment le sniffing, ouais c'est vraiment tronqué, hein. Presque un échec à cause de ces différents éléments. Ceci dit, il y a du monde qui a déjà bossé sur des matériels. Vous connaissez peut-être celui de droite, qui est un Ubuntu One, qui est un équipement qui coûte dans les 100$. À gauche, vous avez le Bluefruit et le sniffer d'Adafruit, donc 30$ hein, sur Internet. Bon, sans les frais de port, donc on va dire allez, 30$ plus 50€ de frais de port, ou avec les frais, on a 80$ à peu près, tarif équivalent. Ces deux équipements peuvent faire du sniffing Bluetooth low energy. Le problème, c'est que, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé ces équipements? On va commencer comme ça. Ouais, ok. Oh, c'est bien vide, hein, au niveau des bras. Ok, donc des équipements comme ceci, de marchouille, j'ai utilisé les deux, hein, Ubuntu One et le Bluefruit et le Sniffer, et clairement, une fois sur 3, 4, ça fonctionne, on arrive à intercepter le trafic, mais c'est pas évident, et on va voir pourquoi. En creusant un peu plus au niveau de la technique, on se rend compte que vous voyez ici sur la plage de fréquence, en orange, les canaux d'annonce, les canaux d'advertisement qui sont utilisés par le Bluetooth. Donc à chaque fois qu'un périphérique s'annonce, il s'annonce sur un des trois canaux. Comment le sniffer fonctionne? Eh bien, il fait une itération sur l'ensemble de ses canaux. Il se cale sur le premier canal, le canal 37, qui est au tout début de la bande. Oui, parce qu'en plus, les numéros de canaux ne correspondent pas aux fréquences. Le canal 37, qui est au numéro de la bande, il se cale dessus. Il écoute à la recherche d'annonces d'équipement. Et s'il ne voit pas votre équipement, il passe sur le canal 38, qui est à peu près dans la fin du premier tiers. Ici, s'il ne capte pas d'annonce de l'équipement, il passe sur le canal 39, et ainsi de suite. Et on recommence la boucle. Le problème, c'est que en tant que sniffer, il faut qu'on tombe pile poil au bon moment où le connect grec est envoyé. Parce que votre périphérique va s'annoncer et il y a le paquet de connexion qui va arriver dans la foulée. Sauf que vous avez en gros une chance sur 3 d'y arriver. Et une fois que le sniffer a réussi à attraper la demande de connexion, il a tous les paramètres pour suivre la communication et ensuite il saute de canal en canal comme les autres équipements le font. Donc il faut être chanceux au final pour sniffer une connexion Bluetooth Smart, il faut réussir à intercepter un paquet connect grec sur un bon canal d'annonce, donc une chance sur 3. Et votre sniffer en plus doit être suffisamment intelligent pour ne pas prendre en considération le bruit, c'est-à-dire les paquets, les données qu'il va extraire en fait des canaux, et qui ressemblent à du Bluetooth Smart mais qui ne sont pas du Bluetooth Smart. Pourquoi? Parce qu'en fait il va perdre du temps à faire le décodage et il peut louper une demande de connexion à cause de ça. Donc au final, quand on est dans des environnements assez pollués au niveau radio, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à analyser le trafic BLE. Donc il y en a qui ont trouvé des solutions pour ça. Ils ont essayé de faire leur propre cage de Faraday. Vous avez un exemple ici, Sami Kamkar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est un chercheur en sécurité qui fait notamment pas mal de travaux sur d'autres protocoles radio et sur d'autres éléments. Et il a ici créé sa propre cage de Faraday avec la technologie d'IKEA. Notamment avec une corbeille en aluminium. Bon, nous, à Digital Security, on a un caisson de Faraday, donc une cage faradisée avec tout un ensemble de choses qui protègent bien. Et même avec ça, il y a encore des trucs qui passent au travers, pour vous dire à peu près comment c'est efficace. Parce qu'il faut faire des trous quand même dans le caisson pour passer des câbles. Et le simple fait de faire un petit trou, vu la plage de fréquence utilisée, ça, les ondes passent dedans. Beaucoup moins que dans la nature, on va dire, mais c'est assez problématique. J'en ai fait l'expérience d'ailleurs l'année dernière quand j'ai présenté au Chaos Communication Camp. J'étais devant 2000 personnes et ils avaient tous un HRF grosso modo. Le badge du Chaos Communication Camp c'était un HRF. Et ils étaient tous en train d'émettre à 2,4 GHz sur la plage de fréquence. Vous imaginez bien que j'avais prévu de faire du sniffing, ça n'a pas marché. Donc, que faire si on ne veut pas sniffer? Eh bien, on va peut-être prendre une autre approche. Pourquoi pas faire du man in the middle? C'est-à-dire, au lieu d'essayer d'écouter deux équipements qui communiquent ensemble, de se mettre entre les deux, d'amener un équipement à communiquer avec nous, et ensuite on relaie l'information à un deuxième équipement, donc avec une notion de proxy en l'occurrence. Donc une approche ici de type management est plus efficace dans ce contexte, parce qu'on a l'assurance que l'équipement central, c'est-à-dire le smartphone ici, va communiquer avec notre équipement périphérique, donc notre proxy en quelque sorte, qui va être émulé. Donc vous avez sur la droite un bracelet connecté, et mon proxy entre les deux va venir créer un faux bracelet connecté qui a exactement les mêmes caractéristiques que le premier, et le smartphone va se connecter sur ce faux proxy plutôt que sur le vrai équipement. On verra pourquoi par la suite. On n'a plus de problème d'appairage. L'appairage se fait comme pour les proxys SSL, entre le smartphone et mon équipement émulé, c'est-à-dire ma machine, et moi après je refais l'appairage avec le véritable équipement, ou je ne fais pas d'appairage du tout, ça peut marcher dans certains cas. Et on n'a pas de matériel spécifique, parce qu'il suffit d'avoir des dongles USB Bluetooth relativement communs. J'en ai un ici, c'est un CSR4, c'est un petit dongle USB que vous avez, qui fait du Bluetooth 4. Ça s'achète à 5$ sur Amazon, au lieu de 100$ pour le Bluetooth One.
Et qu'est-ce qu'on va faire à partir de ce proxy ? Eh bien, il va falloir créer un faux équipement. Donc le proxy, qu'est-ce qu'il fait ? Il se connecte sur l'équipement cible et il crée le profil de l'équipement. C'est-à-dire qu'il va notamment faire une énumération des services et des caractéristiques par service. En faisant ça, il va donc créer un profil, il va ajouter à ce profil les informations d'annonce, c'est-à-dire comment le périphérique s'annonce sur les canaux d'annonce pour avoir exactement les mêmes informations. À partir de ces données-là, il va créer un périphérique émulé avec la même caractéristique, c'est-à-dire qu'on va présenter sur le protocole Bluetooth Smart le même équipement. Alors potentiellement, il a la même adresse MAC, on discutera des spoofing MAC un peu plus tard, mais potentiellement, il a la même adresse MAC, qui a exactement les mêmes caractéristiques, le même nom, les mêmes infos constructeurs, les mêmes services, tout pareil. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, mais si jamais j'ai deux équipements qui apparaissent, qui sont identiques, mon vrai équipement et mon proxy qui apparaît, comment le smartphone sait sur lequel se connecter ? C'est là où on va abuser d'une caractéristique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le proxy, garder la connexion avec l'équipement réel. Et en gardant la communication avec l'équipement réel, l'équipement qu'on cherche à proxifier, si je peux dire, eh bien, on va l'empêcher de s'annoncer. Rappelez-vous, les équipements slave, qui ont le rôle slave, ne peuvent gérer qu'une seule connexion à la fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est connecté dessus, ils ne s'annoncent plus, ils n'existent plus, au final. Et ils ont déjà commencé à communiquer avec l'autre équipement, donc le central, et ils sautent déjà de fréquence en fréquence. Ils ne sont plus du tout présents sur les canaux d'annonce. Donc on peut annoncer un équipement similaire, il n'y a personne qui sera là pour détecter quoi que ce soit. Donc à partir de là, on attend une connexion sur le périphérique émulé, et le proxy, vu qu'il est déjà connecté au véritable équipement, eh bien relaie tout simplement les opérations. Et on peut faire du man in the middle tel que c'est prévu. Alors ce qui est important de noter ici, c'est que la norme Bluetooth précise que effectivement c'est une approche qui fonctionne. Dans la norme, c'est marqué, oui, les attaques man in the middle peuvent être réalisées sur ce type d'équipement. Ok, bon bah, c'est juste un frein technique, en quelque sorte, qui a posé problème. Donc, j'en arrive à présenter le framework, donc on l'appelait Beetlejuice parce qu'on trouvait ça sexy, bon ça, on va pas le dire trois fois sur scène, il y a peut-être des conséquences. Le framework est composé d'un cœur d'interception qui va créer un faux device, donc situé en bas, qui communiquera avec un proxy, pour une raison un peu spécifique, on est obligé d'avoir deux machines pour le cœur et le proxy, on verra pourquoi. Et au-dessus du cœur, on a une interface web qui permet d'intercepter des communications, ainsi que des bindings qui permettent de fournir des interfaces en ligne de commande, des outils en ligne de commande. Bon, ça repose sur une techno que j'apprécie tout particulièrement, c'était pas assez ironique, hein, je peux rajouter, mais Node.js, qui a la seule bonne caractéristique de proposer deux bibliothèques permettant à la fois de se connecter à un device et de créer un autre device, un fake. Et tout ça communique via des WebSockets. Bien sûr, les bindings existent en Python 2, Python 3, enfin bon, les trucs habituels. Tiens, c'était slide d'après. Donc, avec cette technologie, je peux intercepter toutes les opérations GAT qui sont réalisées sur les caractéristiques. C'est une interception de type burp. Vous avez une interface qui vous affiche tous les éléments interceptés. Vous pouvez même interagir avec ces données. Ça se présente sur l'interface utilisateur web, donc pas de différence. Hein, Mac, enfin, du moment que vous avez installé votre système et que c'est compatible, ça passe. De l'export possible en texte et en JSON, et puis des bindings pour Python et Node.js, histoire de pouvoir automatiser les systèmes d'interception. Le problème, c'est qu'il faut deux machines. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, les stacks Bluetooth 4, qui sont implémentés sur les environnements Linux, ne permettent pas de dissocier deux adaptateurs. C'est-à-dire quand on a deux adaptateurs qui fonctionnent sur un système, les deux fonctionnent en périphérique, les deux en centrale, mais il n'y a pas moyen de choisir l'un ou l'autre. C'est un peu problématique. Donc il faut au moins donc de USB Bluetooth 4 que l'on va pouvoir bridger dans une machine virtuelle, par exemple sur VirtualBox. Donc avec une seule machine, on lance une petite VM qui va bien, qui fait proxy, et on se connecte via du réseau, et toute la communication c'est en WebSocket. C'est un peu pas terrible, mais ça mérite quand même de fonctionner. Alors bien sûr, dans les prochaines versions, on verra si on peut se passer de ce genre de problème. C'est facile à installer, c'est donc avec quelques dépendances, et il suffit juste de faire un npm install-g Beetlejuice, et vous installez le framework. Il faut le faire à la fois sur le proxy et sur la machine hôte. Et on a les deux commandes qui permettent de mettre en place ce proxy. L'interface utilisateur ressemble à ceci. La notation que vous voyez ici, c'est une notation qui s'appelle EXI, qui a été créée par Angel Bertini. On peut switcher entre l'EXA et l'EXI. C'est un mélange d'EXA et d'ASCII. C'est très pratique pour les chaînes de caractères, en fait. Ça saute vraiment aux yeux, ça ne mange pas de place. C'est surtout pour ça que ça a été choisi. Et on a différentes opérations qui ont été effectuées. Via les bindings, on peut faire de l'interception et de la modification à la volée, par exemple. Vous avez un exemple de code ici, en Python, bah, il manque encore l'autre boost, on a quelques petits problèmes de résolution. Mais le onBeforeRead, par exemple, c'est un callback qui va être appelé lorsqu'on va faire une lecture d'une caractéristique en particulier. Et si jamais je fais une lecture, si vous regardez un petit peu l'algorithme qui est implémenté,
À chaque lecture, le niveau de batterie est décrémenté. Donc ça permet notamment de mettre en place des trucs assez sympas ou de faire de la modification d'éléments à la volée. C'est un des exemples qui est assez intéressant à voir. Bon, c'est juste pour la démonstration ici. Il y a quand même quelques contraintes. À l'heure actuelle, le système ne supporte pas les écritures longues. C'est dû à une limitation des bibliothèques. Il y a un autre outil qui a été créé par un chercheur de l'Est, alors j'ai plus le Savomir Jazek, qui supporte des écritures longues, mais il a dû tout recoder la bibliothèque grosso modo, donc c'est pas super compatible par contre avec les différents éléments. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a un temps de latence qui est induit, c'est-à-dire vu qu'on fait tous les transferts en WebSocket avec, en fait on passe du BLE au WebSocket, WebSocket au BLE, ça ajoute de la latence et ça aura quelques petits impacts sur la partie de détection comme on va pouvoir le voir par la suite. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais bon, l'heure des démos certainement. On va couvrir un petit peu ce framework. Alors j'ai eu quelques soucis tout à l'heure sur la mise en œuvre. J'espère que je vais pouvoir pallier à ces problèmes. Donc vous avez ici deux terminaux qui sont sur deux écrans différents. Celui-là c'est le proxy. Donc je vais le lancer comme ceci, par exemple, que je ne fasse pas de bêtises d'ailleurs. Ça serait mieux. Alors, je vais essayer de le faire tourner. Si jamais ça ne passe pas, on basculera sur les... CD, ça marchera pas ça. Voilà. On basculera sur les vidéos, tant pis. Donc là, j'ai lancé le proxy. Sur ma machine, je vais lancer la commande Betelgeuse en lui donnant l'adresse IP de la machine. Donc si je suis avec une interface IP locale, et je lui demande une interface web, voilà, donc qui démarre. Interface web que je vais rafraîchir. Et si je clique ici, il commence à détecter l'ensemble des équipements. Donc jusque-là, normalement, ça marche à peu près. J'ai eu des problèmes tout à l'heure avec certains équipements. Donc par exemple, si je fais apparaître. Disons un cadenas. Le cadenas apparaît. Je demande à mon système de se connecter dessus. Ouais. Donc là, il déconnecte directement, ce qui est pas, c'est ce que j'ai pu observer tout à l'heure. Donc en fait, ici, le service s'est déconnecté. C'est un peu dommage. Donc du coup, je vais réessayer, histoire de voir. Avec un autre équipement, je dois avoir un petit robot. Un petit robot BLE. Bon. Fait du bruit, je préfère prévenir. Voilà, non, il n'a pas tendance à tenir beaucoup. On va dire que c'est bon. Est-ce qu'il apparaît? Oui, il est bien là. On s'y fait un cri comme quoi il a été déconnecté, ça serait pas étonnant. Il y a une application mobile qui va avec. Allez. Ouais, ok. Bon, vous savez quoi, à mon avis, je vais pas perdre trop de temps. Avec ça, hop, on va relancer. Tac, tac. Ouais. Ça sent le fail. Donc, il a bien réussi à se connecter dessus, à faire le proxy. Là, je suis en train de voir avec mon smartphone pour qu'il se connecte sur le robot. Ça peut prendre un peu de temps. Bon. Ah, semblerait. Bon. Voilà. Bon, j'étais connecté dessus, mais on voit pas ce qui transite entre les deux. Bon, c'est un gros fail. Merci des mises à jour. Bon, du coup, on va passer sur les vidéos, moi, pour cette partie-là. Et puis, entre-temps, si j'arrive à... basculer sur une démo live, ou peut-être après s'il y a un peu de temps. Alors on va faire juste une première démonstration sur ce système. Donc même principe en fait, vous avez en haut, bon du coup c'était des vidéos d'un autre event mais passons, en haut vous avez un terminal sur la gauche qui est donc qui est mon système Linux, ma machine haute, et en dessous vous avez Betelgeuse, ici ici c'est une démo donc qui est lancée sur la machine qui va piloter le framework Betelgeuse et qui va permettre sur un, je crois que c'est le cadenas connecté d'ailleurs, de venir modifier à la volée l'ensemble des données qui sont lues. Donc on retrouvera ici typiquement sur la droite de l'interface de l'utilitaire que j'utilise. Donc je me demande à me connecter sur un équipement BLE. Voilà, donc vous avez la liste des services qui sont affichés. Je vais sélectionner le battery service, qui est le service qui permet de lire le niveau de batterie. Et je vais demander une lecture de ce service.
Je sais pas si vous voyez, mais ça apparaît plutôt vers le bas. On a la lecture du pourcentage, et à chaque fois que je fais en fait une lecture, ça descend de 1%. C'est notamment l'utilisation du code que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je suis à 94%, par exemple, j'ai commencé à 100%. 93 ici en l'occurrence. À chaque fois que je fais une demande de lecture, en fait, le niveau de batterie diminue parce que j'intercepte à la volée le niveau qui est retourné par l'équipement et je modifie ce niveau sur ce système. Donc ça fait notamment, ça permet d'avoir ce genre de choses, de faire la modification de code à la volée. Autre scénario d'attaque, on peut notamment faire, allez, je vais prendre un cadenas connecté par exemple. Donc même setup hein, ici, sur le cadenas connecté typiquement, je vais lancer mon interface web, je vais demander à cette interface, ah bah c'était ça le problème, voilà, non c'est bon j'ai trouvé pourquoi, je vais demander à cette interface de se connecter sur un padlock, donc ici qui est mon cadenas connecté, se connecte dessus, et avec mon application qui va bien, mon application se connecte sur mon proxy, et commence à faire pas mal de choses, et notamment à transmettre en clair quelque chose qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que quand j'ai configuré mon application, j'ai notamment mis en place un PIN code, un code PIN qui est fourni par défaut par constructeur, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et si vous avez de bons yeux, vous devriez le voir, j'espère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en fait, il est transmis directement en clair. Donc, le scénario d'attaque, c'est que je fais un faux cadenas qui a exactement les mêmes caractéristiques, quelqu'un se connecte dessus, et j'ai plus qu'à venir attendre que la personne qui veut ouvrir le cadenas déclenche son application, elle se connecte sur mon faux cadenas, et on récupère le code qui est directement envoyé. Donc c'est pas terrible au niveau de la sécurité, là c'est une transmission en clair et pas de chiffrement utilisé. Donc en l'occurrence ici, je peux manipuler le cadenas et en même temps intercepter le code qui est mis ici. Donc, voilà pour cette démo-là. Alors, j'ai eu une petite idée du pourquoi ça marchait pas, je vais essayer de le mettre en place. Je sais plus. Pas du tout assuré que ça fonctionne, mais du coup on va essayer d'activer les options avancées. Je vais recommencer le cadenas. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Je suis tenace, des fois j'insiste sur ces démos. Alors connecte-toi. Ah, on va faire une autre solution. Je tiens vraiment à faire une démo live, disons, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a un Wi-Fi qui est accessible? Ça m'embête, j'ai pas eu le temps. Du free Wi-Fi, du Ovis, c'est une création publique. Ah, merci. Wi-Fi RNC, hop, on va prendre celui-là. Je vais mettre, en fait, dans la VM, je vais mettre à jour directement le Betajuice avec l'installation qui est... Vous pouvez pas choisir un mot de passe plus compliqué. Bon, je donne à tout le monde du coup, non? Ok, non. Donc, mais bon, je crois que normalement c'est public, hein, mais bon, passons. Voilà, on va juste me connecter au réseau Wi-Fi pour filer l'accès Wi-Fi à la VM. Ouais, si ça veut bien marcher. Bon, en attendant que je fasse une démo live, on va passer sur une autre vidéo, hein, tant qu'à faire. Donc là, c'était un exemple avec mon super cadenas, et donc il y a le mot de passe qui apparaît directement ici. Le robot, c'est dommage parce que c'était quand même un truc super intéressant et très très, très très jovial. En fait, les développeurs qui ont fait ce robot ont mis des fonctionnalités cachées, un genre d'easter egg qu'on a trouvé en fait en testant la sécurité du robot. Bon, je vous mets à part les problèmes de sécurité qui ont été identifiés, mais on a une fonction cachée dans ce robot. J'espère que... Alors, juste faire un petit point sonore avant pour mettre un... Voilà, le son. Je ne sais pas si vous entendez, oui. Le son max, pareil, ma batterie commence à partir en... Voilà, c'est pas possible. Voilà, les aléas du métier, quand on est un peu pressé. On s'évitera l'écran noir. Ok. Donc, j'ai mis du son, normalement vous avez pu entendre, au pire je vous ouvre un peu les micros, et on va regarder ce que fait ce satané robot avec la fonctionnalité cachée. Donc, même principe, hein, je monte le système de proxy, je regarde ce qui passe au niveau de l'interface, et je me connecte avec ici mon proxy sur le robot. Donc on va pouvoir voir tout un ensemble de connexions qui seront dues à une application mobile que j'aurai lancée. Et
là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à reprendre ce qui a déjà été intercepté, qu'on s'amuse à rejouer, par exemple, avec cette interface, les différentes données. Ici, il y a une commande qui s'appelle la commande 06, qui a un index en paramètres, et si on modifie un petit peu les octets de cet index, on a des actions intéressantes. Là, vous n'avez pas le payload pour l'instant. Ça va être plus intéressant quand je vais refaire ça avec le vrai robot. Bon, donc ça, c'est le son normal, hein, quand on appuie sur le bouton. Alors, le son 01, c'est un son de test. Il n'est pas prévu de base, mais il est intégré. Essayons maintenant le son numéro 2. Hein. Donc, à faire, on incrémente. Voilà. Donc, le son numéro 2 est charmant au possible. Les développeurs ont intégré en fait un son de RAW dans le robot qui n'est jamais utilisé. J'ai essayé pendant des heures à essayer de faire apparaître ce son dans l'interface normale, mais ce n'est pas le cas. Et donc ici, typiquement, ce genre de test avec la plateforme, et surtout la fonctionnalité de replay qui est intégrée, permettait de tester très rapidement l'ensemble des différents sons. Donc bon, on a connu un peu mieux. Donc le robot, par exemple, a ces petits trucs sympas. Donc bon, le robot, si on fait le point au niveau sécurité, il est identifié mais pas authentifié. C'est-à-dire qu'on peut se faire passer pour lui. Il y a juste le nom du robot qui compte. Donc si vous avez un périphérique qui a une autre Mac, mais le même nom, ça marche. Aucun chiffrement, bien sûr, n'est utilisé, pas d'appairage. Plusieurs sons sont inclus dans le firmware, mais ne sont pas utilisés. Vous avez un petit aperçu. Et il n'y a aucune protection contre le jeu, bien sûr. On peut rejouer des appels, des appels de manque de son, ce genre de choses, sans aucun problème. On a fait aussi des tests sur un glucomètre connecté. Un glucomètre, c'est un système de mesure de taux de sucre dans le sang, utilisé par les diabétiques. Bon, c'était assez sympa. Alors, du coup, je dois avoir une petite vidéo encore sur mon petit glucomètre qui va bien. Alors du coup, j'ai toujours pas de connexion honnête. Donc le glucomètre, voilà à quoi ça ressemble quand on fait l'attaque avec le framework. Donc on se retrouve avec le même setup à chaque fois, hein, le glucomètre, sauf que j'ai scripté une attaque sur ce glucomètre, notamment au niveau de l'application. C'est-à-dire que dès que le glucomètre apparaît, mon petit script va faire se connecter Betajuice sur le glucomètre, et l'application va se connecter sur mon Betajuice, c'est-à-dire sur mon proxy. Donc ils vont communiquer normalement, sauf que j'arrive à modifier les données qui sont transmises ou qui sont récupérées par l'application. Donc ça peut aller du simple au double, hein, pour les valeurs qui vont être générées. Toutes les valeurs que vous voyez générées à droite, en fait, c'est moi qui les injecte au travers de cette modification de la connexion. Donc là, je mets des valeurs totalement random. Donc je crois que c'est entre 125 et je ne sais plus combien. Donc ça paraît orange-rouge, hein, généralement c'est mauvais signe pour la personne qui a fait les mesures. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce glucomètre connecté a possibilité de transmettre ces informations, ces relevés à des services de télésanté. Bon, alors il faut nuancer quand même. Hein. Comme on fait dans le monde de la sécurité, il faut quand même nuancer. Je vais expliquer pourquoi. Donc le glucomètre est authentifié qu'à partir de son adresse Bluetooth. C'est pas réellement un problème. On sait se bouffer du Bluetooth, des Mac Bluetooth en général, avec notamment des dongles USB qui sont assez particuliers. Pas de chiffrement utilisé. Les données ne sont pas signées ni protégées contre les modifications, donc on peut faire ce genre d'attaque que j'ai réalisé sans aucun problème. Les données collectées peuvent être transmises à un service de télésanté, donc ça c'est la partie qui est un peu problématique. Et le seul frein, c'est qu'il faut que l'équipement soit activé par l'utilisateur. En fait, il faut accéder au menu et éteindre le glucomètre pour que la fonction Bluetooth Low Energy soit activée. Elle n'est pas activée par défaut, heureusement, parce que sinon ça serait encore plus dommageable que ça. Donc il y a une fenêtre d'attaque qui est très très courte. Donc là, c'est très peu probable que quelqu'un vienne faire cette attaque-là sur ce glucomètre, et heureusement. Ce qui est assez marrant avec ce glucomètre, c'est qu'en fait, ils ont porté un vieux protocole de communication série sur Bluetooth. Donc il y a d'autres problèmes encore que je n'aborderai pas ici, mais on peut changer le numéro de série, enfin faire des trucs super cool. Super cool d'un point de vue attaquant, moins cool du côté des constructeurs. Mais c'est encore quelque chose qui reste à faire. Donc au niveau des contre-mesures, parce que bon, on va arriver sur la fin de la présentation, au niveau des contre-mesures, typiquement, ce qu'on peut mettre en place, c'est une détection par timing. On a vu qu'il y a une latence induite due au fait du parcours des données dans le framework. Donc la détection par timing, si une opération d'écriture ou d'acture prend plus de temps que nécessaire, on peut se douter que soit l'équipement a un problème, ou alors il y a quelqu'un qui est entre les deux et qui ralentit la communication. Donc on peut détecter potentiellement ce système-là. Si on utilise de l'appairage out of bound ou via code PIN, ça contre les attaques man in the middle. C'est-à-dire que d'un point de vue d'un analyste sécurité, on peut toujours regarder ce qui passe entre l'équipement et l'application mobile, par exemple. Mais dans un scénario d'attaque, c'est très difficile parce que l'utilisateur va avoir à se réappairer et il aura donc un code PIN différent qui va se présenter et il va se rendre compte de quelque chose. On ne pourra pas faire ça de manière totalement transparente.
Et bien sûr, on peut aussi utiliser un chiffrement applicatif couplé avec une authentification forte, comme le font certains cadenas connectés ou serveurs connectés à l'heure actuelle, qui permet de faire une authentification forte du cadenas en passant outre en fait les mécanismes déjà en place pour des questions en fait de praticité. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, si vous voulez désassocier un équipement ou désappairer, si vous voulez un équipement avec un smartphone, il faut travailler directement au niveau des fonctionnalités système, voire d'aller dans les paramètres système pour désappairer dans certains cas de figure. Donc c'est assez problématique, c'est assez lourd pour l'utilisateur. Il vaut mieux faire un appairage, et c'est le choix qu'ont fait plusieurs constructeurs, directement au niveau applicatif, qui est géré dans le cloud, avec des informations transmises via une connexion Internet. C'est dans certains cas plus solide, mais ça impose de respecter et d'implémenter correctement les algos de chiffrement, ce qui est un autre problème en termes de sécurité. Ça transpose le problème en fait, sur la partie chiffrement. Pour la conclusion, puis après je resterai si j'ai le temps en fonction de faire rapidement la démo, ça serait bien que ça fonctionne. Donc Betelgeuse peut être vu comme un outil qui peut à la fois servir d'outil d'analyse et d'outil d'attaque, donc un outil, un framework d'analyse de sécurité, donc c'est pratique pour déterminer le comportement d'un équipement. Il est capable de contrôler l'authentification par adresse Bluetooth, permet l'interception, le remplacement à la volée et le rejet de données, et supporte l'appairage JustWorks, c'est-à-dire qu'en l'état, si vous demandez à vous appairer le proxy, ça marche. Betelgeuse comme outil d'attaque, donc il peut contrôler les restrictions par adresse Bluetooth, il peut être scripté afin d'automatiser les attaques. Il nécessite du matériel rudimentaire, mais au moins deux machines distinctes ou une machine virtuelle, ce qui fait que si vous cherchez à miniaturiser, c'est assez compliqué. Il y a quelques contraintes et limitations connues, notamment par rapport aux écritures, et il ne contourne pas l'appairage par code PIN ou OOB, c'est-à-dire qu'en pratique, en attaque, on ne pourra pas venir s'immiscer dans une connexion existante ou casser les clés de chiffrement, par exemple. Et bien sûr, il y a des améliorations possibles. Donc ici, peut-être sur les démos aussi de la présentation, mais passons. Résoudre le problème des deux machines. Je cherche aussi à résoudre le bug des écritures longues et améliorer bien sûr les interfaces utilisateurs et programmatiques. Donc il faut tester. C'est un outil qui est open source, qui est dispo sur le GitHub de Digital Security. Il y a les liens dans la présentation par la suite. Donc quand elle sera mise en ligne, de toute manière, ça sera aussi communiqué. Si vous voulez l'installer, tester chez vous, bon, apparemment, il n'y a pas des aficionados de Bluetooth Smart, mais si jamais ça vous aura donné envie d'aller chercher un peu à ce niveau-là, ça peut être ne serait-ce que bien. Essayez notamment le framework, installer une version, bien sûr, à jour. Donc, j'ai mis quelques références en plus sur les éléments que j'ai cités, à savoir notamment l'outil qui a été développé par un autre chercheur qui s'appelle Gathacker. Craquez-le pour le cassage des chiffrements des connexions. Puis, bien sûr, un papier qui a été publié en 2013 par Mike Ryan sur la sécurité des communications Bluetooth Smart. Bluetooth ou Energy, qui reprend en détail tout ce que j'ai expliqué très rapidement sur les phases de cassage de clés ou la sécurité de l'appairage. Donc, qui est ici à lire. Allez, on va tenter une dernière démo, je sais pas. Faites-moi signe là-bas au fond si jamais je déborde trop au niveau timing ou si ça devient galère. Hein. On sait jamais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le Wi-Fi, je vais réinstaller vite fait le framework dans la VM. Apparemment, c'est la VM qui pose problème. Si j'arrive à me connecter au réseau Wi-Fi. Alors, le réseau Wi-Fi, on avait dit que c'était le Wi-Fi RNC. Ouais, je le capte tellement bien ici que ça va être problématique, sinon je vais faire un point d'accès avec mon mobile et puis on va partir là-dessus. Toc. Allons-y, point d'accès mobile. Voilà, ça moi je sais que ça marche. L'idée c'est juste de faire la mise à jour rapidement. Alors allons-y, point d'accès mobile, où tu es. En plus j'ai un point d'accès mobile qui est comment dire. C'est dommage qu'il soit projeté parce que franchement. Ah tiens. Non, c'est juste pour le test, donc c'est pas grave. Oui, alors le mot de passe découle de ce point d'accès mobile. Donc pour ceux qui ont vu, en tout cas, c'est très inspiré. Donc voilà, c'est bon, je suis sur le machin. J'ai juste configuré la VM en mode NAT, histoire de ne pas avoir de problème. Je la remettrai sur le réseau privé après. Voilà, ok, bon, on y va. Zouf. Donc là, je suis sur la machine virtuelle. Vu que j'ai coupé le réseau, il faut que j'aille sur celle-ci. Clac. Alors, j'ai fait 2-3 manips où je vois rien. En plus, ça doit faire des beaux zigouigouis, si je me souviens bien, parce qu'on m'a dit que le noir passait pas très bien. Ok. Alors. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis désolé de vous faire subir ça. Ouais, forcément, j'ai le terminal qui est perdu. On y retourne, hop. C'est 10.02.
comme ça, ça lui semble. Ah, ça fait des toc-toc en plus, parce que vu que je suis sympa. Bon, je réinstalle from scratch, rapido, dans la machine virtuelle, avec NPM. Je sais pas si c'est très lisible, mais je réinstalle le framework Betelgeuse, de manière à être sûr que je pars avec une version qui est relativement stable. Normalement, elle n'a pas changé sur cette machine virtuelle, mais sait-on jamais. Donc ça va passer par smartphone, ça va prendre je ne sais pas combien de temps, je suis en 4G, donc en espérant que ça aille assez vite. Donc à partir de là, on réinstalle donc, un exemple d'installation du framework. Hein, j'ai juste fait un NPM install, en croisant les doigts pour que ça aille assez vite. Il va donc consulter les dépôts, récupérer, installer, voilà. Normalement, la machine virtuelle a assez de patates. Voilà, donc il recompile la lib USB et il va tout réinstaller, comme ça sera prêt à l'emploi. Je vais refaire les tests avec cette version-là, en espérant que ça règle les problèmes que j'ai pu rencontrer. Et on aura peut-être une démo du cadenas au moins, ça serait pas mal. Je ne vais pas m'acharner dessus non plus, puis on passera aux questions vite fait par la suite. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de questions, des gens sont... Vous êtes très concernés par la partie sécurité Bluetooth. Bref, non, je ne vous bâche pas du tout, ne vous inquiétez pas. On va passer sur un réseau privé hôte. Hop, forcément. Non, c'est tellement bien. Je vais y arriver, DHCP config. Puis forcément, c'est pas la bonne interface. Non, c'est MP0S3. Puis DHCP config, j'ai rêvé moi. Si je tape pas les bonnes commandes. Donc, ah, mais zut! DH client, pourtant il est connu. On n'a pas encore récupéré la bonne IP. Mais alors, ça, c'est forcément obligatoire quand on fait ce genre de manip en démo et en live comme ça sur scène. Ça bug toujours. Alors, est-ce que c'est bon? Toujours pas, saleté. Vas-tu marcher? Oui. Bon, je sais pas si on a déjà testé le réseau avec VirtualBox, c'est trop bien. J'adore VirtualBox. Bon, bah, je sens que je suis bien arrangé encore avec mon système. Oui. Oui, non, oui, des idées. Ah oui, non, bah, c'est grosso modo ce que je faisais, mais oui, on va essayer. Merci, Johan. Ah, ok. On va faire un if done if up, on verra bien si ça marche. Oh, ça a l'air mieux. Merci, Johan. Voilà, hein, comme quoi on apprend toujours. Hein. Allons-y. Ouais, j'arrive à taper les mots de passe sans trop de problèmes, c'est pas mal. Donc, on y retourne. On vérifie la config ici. Je vais couper le service Bluetooth, parce que je crois que je ne l'ai pas fait ici. Tac, on passe de équipement hub. Oui, c'est toute une gymnastique pour faire en mettre en place le framework et on peut lancer le proxy. Donc je dois avoir un truc 8.12 proxy. Carrément. Saleté. Bon, je crois que je vais abandonner. Hein. Sincèrement, je vais rage quit. Ça commence à me casser les... Hein. Oui, je reste poli, c'est vraiment par... s'il connaît Betelgeuse, ouais, ça va. Ah oui, carrément qu'il connaît Betelgeuse, ouais, merci. Bon, bah tant pis. On va repartir sur l'autre. Putain, je suis maudit sur mes présentations, les deux dernières presse que j'ai faites, ça n'a pas marché. Allez, j'évangélise tout le monde en disant que c'est facile à utiliser. Allez comprendre. Allez, hop. J'y crois pas, mais je teste quand même. On va commencer par le cadenas. Bon, on capte bien. Bon. On pourra pas dire que j'ai pas essayé. Est-ce qu'il y a des questions ? Si c'est en ce qui concerne pourquoi ça marche pas ou autre, ce que je vous propose, j'ai encore un petit peu de temps normalement après avant de partir pour le train et je propose de refaire les démos en redémarrant la machine. Chose que je peux pas faire ici, ça prend trop de temps. Histoire de régler tout ça.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez-vous. Ok. Je suis là avec le micro. Tu montrais les problèmes de Bluetooth, mais quand on achète un objet connecté, en fait, ouais. Nous, en tant que consommateur, on ne connaît pas la sécurité du truc, on ne connaît pas la version du Bluetooth. Non. Donc, en gros, tout est craquable. Alors, non, tout n'est pas forcément craquable. Mais par contre, tu lèves un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, dans tous les objets connectés, on a un manque de transparence, en fait, de la part des constructeurs. C'est-à-dire qu'on vous dit, ouais, c'est du Bluetooth, mais on ne dit pas c'est du Bluetooth Smart. On peut vous dire, oui, ça utilise du Zigbee, par exemple, un autre protocole, passons, mais ça sera, on vous dira, oui, c'est du Zigbee. Quelle version, on ne sait pas. Quel algo de chiffrement, on ne sait pas. Il y a un manque de transparence. Effectivement, quand on prend un truc Bluetooth, faut croiser les doigts. Ou alors regarder sur Internet, il y a des gens qui ont fait des hacks dessus. Mais je vous assure qu'au niveau sécurité, pour pouvoir connaître plusieurs autres chercheurs qui font les mêmes choses sur des objets connectés, prenez Axel Avril, par exemple, qui a fait pas mal de recherches sur tout ce qui était Fitbit. Je pense qu'elle a démontré que la sécurité était plus ou moins efficace. Fitbit, c'est pas la peine de venir m'embêter. Il y a vraiment un gros souci au niveau du développement. C'est-à-dire qu'on a un retour dans les années 95, grosso modo, hein, au niveau de la sécurité des objets connectés en général et du Bluetooth en particulier, avec des applications. Je parlais du glucomètre tout à l'heure, là, le glucomètre, c'est un protocole Siri qui a été transposé. C'est très bien. Ne pas réinventer la roue, on réexplique ça à tous les développeurs. Le problème, c'est qu'il y a une grosse différence entre communiquer via un câble Siri et communiquer en Bluetooth. C'est comme si je vous disais qu'on passait d'un câble Ethernet, une liaison Ethernet à une liaison Wi-Fi. Enfin, même si Wi-Fi embarque Ethernet, personne, mais un câble RJ45 à une liaison Wi-Fi. Les problématiques changent, évoluent à cause de l'aspect sans fil, en quelque sorte. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Ils ont repris les mêmes commandes, les mêmes trames, les mêmes formats, ce qui pour nous était très facile, du coup, à désosser aussi. Et ils ont implémenté les mêmes fonctionnalités dans l'équipement. Donc, sachez, par exemple, dans ce glucomètre, on peut changer le numéro de série. Normal, c'est prévu dans le protocole de communication. Et il n'y a pas de chiffrement, bien sûr, non plus. Donc c'est un grand classique, mais ça va en s'améliorant. Il y a des initiatives, du moins, pour uniformiser ou pour imposer aux constructeurs de mettre plus d'informations sur la techno utilisée. J'ai l'impression que le Bluetooth non sécurisé, c'est surtout sur des équipements qui sont assez quand même limités en termes de sécurité. Oui. Là, le robot, bon, on va le pirater, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des équipements qui sont Je ne peux pas en dire trop, parce que bon, vu qu'on travaille d'OCR sur des équipements, et notamment pour certains clients qui... j'ai resté très très vague, hein, du coup, pour ne pas avoir de problème. On a eu le cas d'une alarme connectée. Une alarme connectée qui avait une télécommande en Bluetooth ou Energy. Et en fait, avec cette télécommande, on pouvait se faire passer pour la télécommande et désactiver l'alarme, par exemple. Alors moi, je connais un secteur qui est bien critique, qui est les sécurités, les clés, les serrures. Ouais. On a entendu beaucoup de choses sur les serrures d'analogue et Okidoki, une serrure française. Est-ce que justement là-dessus ils ont travaillé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti? À ce que je sais, la sécurité a évolué en tout cas pour pas mal de serrures connectées qui sont fait démonter en quelque sorte virtuellement et même physiquement à certaines conférences. Par exemple, cet été, il y avait une conférence qui parlait d'Okidoki en l'occurrence et c'était Defcon. Hein, ils ont notamment Anthony Rose et Mike Ryan, qui n'était pas présent pour la présentation, mais passons, on travaillait sur cette serrure-là et on réussit à démontrer qu'il y avait plusieurs vulnérabilités sur lesquelles le constructeur a travaillé depuis. Donc on est quand même sur une amélioration, si vous voulez, de la sécurité, mais de base, il y a encore des grosses erreurs qui sont faites au niveau de l'implémentation. Alors sur les serrures, c'était pas une manie middle, c'était vraiment un problème d'implémentation. Ils ont trouvé en fait, c'est ce qu'ils ont diffusé cet été, c'est qu'en fait en mettant un octet à zéro dans une trame, ça provoquait une erreur dans la serrure et que quand il y avait cette erreur, elle s'ouvrait. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est un problème qui a été remonté au constructeur du coup et qui a priori été géré par celui-là. Mais c'est toujours le même souci, c'est qu'on travaille avec des développeurs qui ne connaissent pas forcément les tenants et aboutissants de ces protocoles-là. Et quand il s'agit de mettre en place de la sécurité, ça devient critique quand même. Et c'est pas le seul, hein. Il y a eu plein d'autres cadenas qui ont été ciblés par cette personne. Et il y en a certains, c'était juste très rigolo, très rigolo du point de vue de l'attaquant, moins rigolo pour le constructeur, encore une fois, mais très, très facile à déclencher comme type de vulnérabilité pour le faire ouvrir. Même en sécurité physique, hein, pour être franc, je sais pas si vous êtes habitué au crochetage de serrures ou autre, mais il y a beaucoup de cadenas connectés qu'on a testés qui pouvaient se chimer facilement. Donc, avec juste des petits bouts de métal glissés entre les anses, on pouvait décaler le système de verrouillage de l'anse et ouvrir le cadenas.
Ça coûtait pas cher et c'était parce que les gens qui l'ont fait n'ont pas de compétences forcément dans ce domaine-là. Ils savent très bien faire l'électronique, très bien l'informatique, des applications mobiles, mais des cadenas, non, pas encore. C'est une question ou pas ? Non. Personne ? Bon. Bah écoute Damien, merci beaucoup de ton intervention. Ouais, c'est moi qui vous remercie. À part les démos. Les aléas du direct, on dira. Mais ouais, bah de toute façon, l'effet démo, c'est toujours destructeur. Et pourtant, je les ai refait juste avant, mais bon, c'est pas grave. De toute façon. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir.